Tu nous as tellement manqué. Vincent Queijo retrouve sa femme Rin Renon et ses deux filles. Ils ont besoin de se retrouver. En effet, vendredi 25 novembre 2022, Rin Renon a fait des confidences sur son couple. Sur Instagram, elle a révélé qu'elle avait besoin de prendre du temps pour profiter de son mari. Vincent Queijo, le couple s'est rencontré sur le tournage de la Villa des Cœurs Brisés 5. Depuis, ils ont eu deux magnifiques petites filles, Maria Valentina et Alma. Forcément, l'arrivée de deux bébés change la vie. Ils sont passés de couple à famille. Pas toujours simple. Ces derniers temps, beaucoup de followers demandent à Rin Renon si elle veut un troisième enfant avec Vincent. Elle a répondu cash, cette question se répète énormément. Non, on ne veut pas un troisième enfant. On est très bien comme ça avec Alma et Maria Valentina. Pourquoi? Et pour être sincère, on a besoin de se retrouver un petit peu, du coup ce sera notre objectif d'ici quelques temps, passer un peu plus de temps en amoureux. Guillaumet. Il faut dire que les deux influenceurs vivent une vie à 100 à l'heure. Ces derniers jours, Rin Renon, en plus de son métier de créatrice de contenu digital, a géré ses filles seules. En effet, son compagnon Vincent Queijo était parti au Qatar rejoindre Benjamin Sama et d'autres amis pour assister au match de la Coupe du Monde 2022 qui opposait la France au Danemark. Samedi 26 novembre 2022. Un voyage de plusieurs jours qui a donné lieu à de magnifiques retrouvailles le lundi 28 novembre 2022. Sur son compte Instagram, en story, Rin Renon a partagé ce moment fort entre Vincent Queijo et ses filles. On voit les deux fillettes allongées par terre, en train d'enlacer leur papa. Vincent Queijo est visiblement très ému si l'on écoute les trémolos dans sa voix. Un moment de tendresse à croquer. La chérie de Vincent Queijo a légendé cette story par ces mots d'amour, « Tu nous as tellement manqué ». Rin Renon et sa famille vivent désormais en France. Après un petit tour en Thaïlande et à Dubaï, l'influenceuse a décidé d'élire domicile dans l'Hexagone. En septembre 2021, elle expliquait pourquoi elle et Vincent avaient subitement quitté Dubaï. « Dans la vie nous devons essayer de trouver notre place, explorer de nouvelles villes, de nouveaux pays, rencontrer des gens. Nous serons déçus et heureux. Dubaï est une ville merveilleuse mais nous cherchons autre chose et ce n'est pas Dubaï. » Virgule expliquait-elle sur Instagram. Aujourd'hui, ils ont enfin pu créer leur propre petit cocon.